Pourquoi m'as-tu quitté? Ah, on dirait qu'un camion t'a roulé sur la gueule, quoi. Déjà, quand elle a installé Tinder, j'ai dit ça pue la merde. C'est parti pour le bossu de Notre-Dame sur Super Game Boy 2. Et en plus, c'est optimisé pour la Super Game Boy, donc ils ont mis... Bon, je vais baisser le volume parce que déjà là, c'est moche. Oh putain. Un jeu Disney, il faut pas s'attendre. Hi everybody! Are you ready? Et c'est quoi, c'est un jeu de plateforme, un jeu d'énigmes? Aucune idée, je ne sais pas. J'espère qu'ils ont pas passé tout leur temps à faire le tour de l'écran... Qu'est-ce qui se passe? Les personnages? C'est des mini-jeux pourris, c'est ça? Ça a l'air, ouais. Du puzzle. Essaye celui du haut. Chiseleur. New game, pas de password. Hein. Oh putain. Faut faire quoi? Oh, ça a l'air pourri. Un gazurique. Oh putain. Ah, c'est un arcanoïde dégueulasse avec des espèces d'oiseaux. Non, mais faut... moi je sais, faut mettre le feu, c'est mieux. Plus vite. C'est clair. Surtout pour la toiture, ça marche bien. Oh, les beaux sons de... Ouh, on dirait Pong. Waouh. Des proutes. Quel est le sens de ce qu'on voit là? On a vendu des milliers juste parce que c'était un jeu Disney. Ah, ça se voit que c'est Disney là, on sent le foutage de gueule. Ouais, c'est... Sans l'exploitation de licence, ça me rappelle Star Wars. Je m'y connais en foutage de gueule en plus. Je veux vous le dire. Ouais, mais en plus, c'est nul. C'est toi en photo qui a niveau d'eau en arrière-plan, là, j'avais pas vu. Ça ressemble, hein. Regarde. C'est bon. C'est la commande qui a chier. J'ai envie de toi me regarder dans les miroirs. Je crois qu'il n'y a pas que la manette qui a chier. Ouais, je me demande c'est qui, c'est le joueur ou la manette le problème. L'odeur. Non, play again, 660. Non. 660, ouh, t'as bien fait de perdre le temps. Essaye un autre jeu là. No. On en a assez vu. Ouais, Dali, bah, c'est dans l'ordre. Hein. Dali, genre le peintre. Ah non, Jali. Comme Jawal, ouais. Le logeur. Comme Kamel Jali. Waouh. Ouais, du bowling de chèvre. Ouais, je lance une chèvre, t'es sérieux? C'est impressionnant. Alors là, on remarque quand même que les musiques sont de qualité plus élevée. Waouh. Impressionnant. De qualité plus élevée parce que c'est optimisé pour la Super Game Boy. Hein, mais normalement, sur Game Boy. Plutôt que de faire du lancer de chaise, j'aurais dû faire du lancer de nain, hein, ça aurait été plus dans le contexte. Bah, c'est vrai. Plus on va appeler Tyrion, il est au chômage maintenant, ouais. La série est finie. C'est bien parce que c'est comme si t'allais au théâtre et puis ce qu'il y avait de plus beau, c'était le rideau. Oui, système infrarouge. C'est changé. Brûlé. C'est Terminator en fait. Predator. La chèvre Predator. C'est Gotator. elle passe en mode vision Predator infrarouge comme ça pour mieux cibler les équipes. Elle les broutera tous. Non. Une partie c'est suffisant. Allez, catch full. Alors attrape le blaireau. Oh, il y a encore du gaz dans le coca. Ah d'accord, faut qu'il rattrape les mecs qui essaient de suicider. Ne buvez surtout pas ces merdes. Hein. C'est quoi encore là? T'attrapes quoi là? Les suicidés. Wow, c'est un premier. Ils sont poussés par la foule, je pense. Si t'en as un autre. Bon alors les enfants, on vous invite à reproduire ça à la maison, à la première occasion. Je vais voir, ça donne quoi si je le rate. Ah il meurt même pas, c'est pas drôle. Oh t'as chopé une horloge. Une horloge. Ah bah non, ça te fait gagner du temps pour j'adore plus les horloges. Les horloges. Ouais. Je suis suisse. Ouais non, mais prends plus les horloges, j'ai l'air plus longtemps. Première révélation, hein, on fait plus de révélations que dans Star Wars 8. On connaît les origines de Quasimodo. Il est suisse. Il est fils d'horloger et donc il a du budget. Il a des moyens. J'ai du budget. Dans les poches là, il y a peut-être quelque chose, on va le détrousser là. Vu la gueule de ses vêtements, il ne peut pas y avoir grand chose.
Donc moi j'appellerais ça Disney Suicide le jeu en fait. C'est une couverture. C'est les gens qui ont vu Star Wars 8 et en fait ils essayent de mourir en fait. Disney ils en empêchent pour qu'ils soient obligés de regarder le 9. On dirait qu'ils jettent des personnes de couleur en fait, que c'est des, ils se débarrassent des immigrés mexicains, c'est un jeu américain. Mexico is not our friend. No. Upsy Daisy. Hey. Non, laisse les vraies couleurs. Alors comme il est optimisé Super Game tu Boy, tu peux choisir on laisse, le joueur. Attention. On laisse comme ça, mais sinon je mettrai les couleurs originales de la Game Boy. Hein. Select player. Waouh. Prendre un bouffon. Oh putain, ça valait le coup de choisir son joueur. Tu dois faire quoi de la baston en l'air. Je sais même pas qui je suis. Ah si, je suis à droite. Ça se trouve c'est deux joueurs. Tu dois péter les ballons de l'adversaire. Je vais essayer la deuxième manette quand même. T'es peut-être y a en un espoir de gameplay en fait. T'es en Wi-Fi. Ah non, ça peut, je peux changer les couleurs. Ou t'as qu'une touche et faut que tu fasses quoi avec ta couche, avec ta touche. Ah ça marche pas. C'est du un player. Ah si, attends, là j'ai fait faudrait quelque pas chose. Que tu crèves les ballons de l'autre en te mettant en hauteur et en mettant un coup de pied ou je sais pas quoi. Ah y a un effort sur le décor quand même, hein, l'arrière-plan, la perspective. Ah ouais. Perspective qui n'a aucun sens d'ailleurs, hein, si on regarde. Ah je lui en ai pété un. C'est les photos qu'ils vont reprendre pour reconstruire. Ouais, je pense que ouais. C'est le projet final de reconstruction, c'est à partir de cette source-là qui est historiquement la meilleure. Ah oui, là c'est sûr. Et surtout la moins chère. De toute façon, pour la faire en 5 ans, il faut pas aller plus loin. Hein. Péter les ballons de celui qui vole à côté de vous. Bon les gars, c'est décidé. Je me fais refaire la gueule. Ah, de toute façon, ça pourra jamais être pire que maintenant. Bah voilà, Dr Frankenstein, chirurgie truélique. C'est parfait ça, 40 euros, le coup de truelle. Excellent. Alors, picture puzzle, ouais bon ça va être un puzzle. J'en ai bien peur. Un genre de mini casse-tête peut-être. Ouais, c'est casse-couille, il y aura un mini casse-couille je pense. Un mini casse-couille. C'est toi qui appuie pas sur start ou... Ah non, on peut choisir le puzzle en fait. Bon bah Esmeralda, au moins qu'on puisse se rincer l'œil. Ah ouais, un puzzle 9K. Le visage est bien, Ah non, ces trucs de merde où t'as dit que c'est les cubes là que tu dois déplacer. Ah c'est de la merde ça en plus. Bon, on veut du beau, là, vas-y. Bon, je pense que le visage il va en plein. On dirait un string et des fesses là. Ah, non, mais change le dessin, fais le truc qu'on a envie de voir. Là c'est un string avec des fesses, moi c'est ça que je vois. Est-ce qu'on peut dire que je suis en train de monter une bohémienne? Ouais. J'ai le droit de la faire celle-là ou pas? Tu as le droit de tout faire là. Non, c'est pas grave, ça nous laisse imaginer des fesses et un string. Ah oh, bah il le termine pour toi, il est bien le jeu. Il n'y arrive pas non plus. Ah non. Même le jeu, il y arrive. Oui, mais il a triché le jeu, il a triché, téléporté une case. Il a une épaule chelou. C'est elle qui est au-dessus. Ouais, c'était mieux avant. Hein. T'as vu les épaules qu'elle a, c'est un déménageur. Elle en fait. C'est un travail lourd. C'est elle qui faisait les travaux. C'est une bohémienne, hein. Alors, je sais pas ce qu'elle fait. Trop le moyen de quitter là quoi. En fait, c'est quand magique. Tu regardes jouer, t'as l'impression que c'est la maniabilité d'une savonnette. Et quand tu joues, t'as l'impression de ramasser la savonnette. Ouais. Bah, c'est ça d'ailleurs, regarde. C'est ça caché là, les miches de l'espérance. Bon, ça ressemble à des miches en plus. Voilà. Là, on est bien là. Ouais. Magnifique. C'est parti. Grâce au Super Game Boy, j'ai pu rajouter des dessins. On l'a vu lu. Bah, likez, partagez, quoi. Laissez un commentaire aussi.